Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et on se retrouve pour le log 16, je crois bien que c'est le log 16 de l'aventure Alien Isolation, probablement un des derniers chapitres, si ce n'est le dernier, la dernière fois, donc on avait enfin réussi à se détacher du Sevastopol. Très bien, la porte qui s'ouvre, c'est pas grave, tout va bien. On avait réussi à se détacher du Sevastopol. Et donc, on est dans ce vaisseau avec Marlo, probablement un ou deux aliens un peu vénères. Peut-être Benny, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va tenter de s'en sortir. La dernière fois, donc j'avais réussi, je crois, à restaurer le courant dans le vaisseau. Il faut que je trouve Marlo. Donc Marlo, qui est un perso qu'on a incarné hein, au cours de l'aventure une fois, au cours d'une séquence flashback qui expliquait un peu comment l'alien s'est retrouvé dans la station Sébastopol. Et du coup, alors, explorer l'Anesidora. Donc, il y a un point d'exclamation que j'ai loupé. Intérêt. Écoutez, on va y aller. On va y aller. Tranquillement. J'ai plus que 94 de lance-flammes. C'est pas fou. C'est pas fou. Alors, on va poursuivre. C'est un peu... Ça va, c'est pas trop sombre. Vu que j'ai remis le courant, ça devrait aller maintenant. Ah oui, je me souviens de cette salle quand elle était... quand elle était sans lumière. C'est bien, bien sombre. Ok, c'est par ici, c'est par ici. Alors, où est l'intérêt? Ah, ça fait un sale bruit. Il y a une sorte de bruit d'eau un peu bizarre. Encore une fois, le sa... Ah, très bien. Then we found that flight recorder. It belongs to a ship, the Nostromo, Weyland-Yutani property. That means there'll be a reward. But then Marlo had an even better idea. Extrapolate the path of the flight recorder to try to find Maybe the wreck of the Nostromo. Maybe you want to join my crew. We got lucky. Plenty of free spots. Found a distress signal and now we're following Marlo never trust me. He said he gave me all the data he had for creatures that I could take it to the company, but he... He already Taylor? Said he'd do right by Taylor? Me. Taylor! Marlo, what are you doing? What no one else seems prepared to do, come find me, Ripley. I got something for you. Ok, donc c'est super, on a eu le mélange de l'enregistreur que j'avais activé et le dialogue. C'est toujours fantastique quand c'est comme ça. Alors, Marlo qui a l'air un petit peu vénère. Il a envie de tuer la créature, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc Taylor, bien évidemment, voulait récupérer des infos pour la compagnie. Donc c'était elle un peu la taupe, ça on l'avait appris un peu plus tôt dans la... C'est quoi ça? Oh la vache! Il y a des facehuggers! Mais c'est génial! C'est super! Ah par contre, là je vais devoir me servir du pompe parce que j'ai vraiment beaucoup... Ah c'est horrible comme bruit. Il n'y a pas du gaz quelque part. Et j'ai plus de piles! J'en ai toujours pas retrouvé en plus. Agent collant. Est-ce que je peux crafter des choses? Oui, une bombe IEM. Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon, je vais la faire quand même. Une bombe tuyau, ça c'est fait. Un medkit. Toujours très, très important, le medkit. Là, j'ai plein d'éléments de craft. Là, c'est la fête. Ça devrait être bon. Et hop. Alors, vous m'avez dit qu'a priori, on n'était pas très loin de la fin, mais j'avais quand même, a priori, allez, peut-être deux épisodes encore. Cet épisode ne sera pas trop long, parce que, en fait, le souci, c'est qu'étant donné que je vous fais un let's play en 60 FPS, ça prend beaucoup de place. Et pour l'upload, c'est assez long. Et là, en fait, on est assez tard. Qu'est-ce que je viens d'utiliser? Je sais même pas ce que c'est. D'accord, très bien. C'est une radio cassée, j'ai l'impression. Ok. Alors. Du coup, ouais, on va pas le faire trop long. Celui-ci, ça m'arrangerait. Là, j'ai cru que c'était un code. Non, ce n'est pas un code. Audio. Allez. This is Marshal Waits of Sevastopol. Officially, I should deny your request to dock. Sevastopol is currently being decommissioned, and I can't compromise security for unscheduled vessels. However,
In the light of the property you found, I will allow a small number of your crew to dock via a short-range shuttle. I must remind you that Sevastopol is entitled to a cut of any reward for return of said property once it's on station. Let me know your decision. Wait up. D'accord. Donc bien joué, hein. Évidemment, hein. Un mec contaminé par une espèce inconnue, on le laisse rentrer. C'est la meilleure idée du monde, hein. Toujours. Bon, alors, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un alien quand même qui se planque ici. A priori, il n'y a rien là. Donc c'est Marlow qui me regarde en fait, j'ai l'impression. Ah, un détecteur. Ah, c'est... Oh la vache. Je viens de me faire un petit jumpscare sur les lumières qui s'allument. Ça, c'est toujours fantastique. Toujours génial. Alors. Petite tension là, hein. Je sais pas trop ce qui m'attend. Ouais. Je peux pas la défoncer la caméra là. Arrête de me regarder, Marlow. Ça suffit. Bon, c'est par ici a priori. Allez, allumez-vous, voilà. Ah, d'accord, ça a rien changé. Wow, mon perso, il s'est excité. Oh là 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 là, super. Super, super. Ok, bon. Ça... Ah bah, il est pas bête en fait, Marlow. Alors, pourquoi on est contre lui en fait? Parce qu'on veut un peu la même chose, hein, quand même. Hein. Bon, techniquement, on veut aussi sauver Taylor, mais... Mais bon, Taylor, elle est un peu relou quand même. Hein. Et puis Marlow, il a l'air assez sensé comme garçon, il a l'air raisonnable. Même si bon, ça a pas l'air d'être un mec super clean dans le fond. Quand on a vu ce qui s'était passé sur le Sevastopol. Encore un synthoniseur. Hop. Voilà. C'est ça. Et c'est ça. Très bien. Ce serait bien qu'on puisse lui parler au lieu de... Wow. Ok, très bien. Alors, en effet, le vaisseau, il tombe un peu en ruine, là. C'est un petit peu la dèche. Alors. Oh la vache, c'est tellement sombre. Et j'ai tellement pas de piles. Ouais, j'ai vraiment pas de piles, quoi. Pourquoi il y a de l'eau qui coule, là? On entend... Il y a de l'eau nulle part et il y a de l'eau qui coule. C'est logique. La logique. Alors. Alors, ça, c'est un bruit de conduit. Ça ne me plaît pas. Est-ce que je dois aller là? Non. Je peux pas utiliser ces trucs. Non, pas du tout. C'est ici qu'il y a les chambres à hyperspace, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça. Marlow qui continue de me regarder avec les caméras. Et il y a probablement un point de save, voilà, il y a un point de save là-bas. On va y aller directement. Hop là, on sauvegarde. On aura au final pas eu de coups de flip où on se fait tuer pendant qu'on est sur un point de sauvegarde. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va où? On va par là, très bien. Alors je regarde un petit peu mon... Ah bah on y est là. Il doit être là-bas normalement. On doit y être. Marlow? Marlow-chan! Do desu ka? Ah, utiliser le terminal. Il est pas quelque part, Marlow? D'accord, très bien. Bon, alors, on a un mini-jeu à la con. La boîte noire. C'est la boîte noire du Nostromo, ça? C'est ça? Oh, c'est ça. Added report. Personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart, and I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous.
And the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Oh, c'était bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Dommage qu'on ait pas la réaction d'Amanda en cinématique. Enfin, qu'on voit pas son visage, mais bon. Oh my god. Ah, Taylor et Marlo. Oh non. Ah. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Ah, on peut pas s'en sortir, nous aussi? On peut pas arrêter un truc, là? On peut pas faire en sorte que ça se calme? Oui. Merde, y'a rien. Stop it! Non mais tu vas te faire tuer toi, arrête! Oh! Ah bah là, bon bah Marlo c'est réglé. Ah oui, c'est un peu chaud là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois allumer un truc. Alors, oui, vite. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah ça a pas l'air d'être mieux là. Ah c'est bon, c'est ça. Vite. Allez, on fait plus vite la QTE que d'habitude, s'il vous plaît. Allez, et maintenant on appuie, voilà. Oh putain. Ouais, t'es bien là, tu vas pas te faire défoncer. Ouais, mais si elle trouve pas. Hey. tu dois bien bronzer là. La vache, ça crame bien là. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Alors ça a pas l'air de la déranger, les flammes bleues qui lui brûlent la tête, les jambes, tout. Ça la dérange pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en sort ou elle est buggée là? Parce que c'est un peu long. Je vois la lumière. Bon, on doit faire... Oh, wow, la vache. Très bien, ok. Ça a juste pris un peu de temps, mais... Ah, très bien, je suis mort. What the fuck? Attendez, là. Il y a eu un bug ou quoi? Éteindre les systèmes de fusion. Oui, ah, donc c'est bon, je dois faire ça. Et je devais faire quelque chose de mon côté? Parce que j'avais l'impression que c'était à Taylor de faire quelque chose. Attendez. Ouais. Ouais, tout va bien. Ah, j'ai une voix derrière, c'est super. Ouais. Et nous, après, peut-être qu'on doit activer ça? C'est ça? Ah, c'est ça, ok, très bien. Faut qu'on pire. Ah, mais alors là. Je savais même pas qu'il y avait un truc. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et. C'est ça. Oh, c'était un peu chaud. C'est bon. C'est bon, normalement ça marche. Allez, on désactive les relais de fusion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le fais. J'espère de pas mourir cette fois. Ah bah, nice.
Les gens qui ont fait le jeu, ils ont dû faire un gros facepalm quand ils m'ont vu la regarder en mode « Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Et maintenant, tu vas te faire tuer par l'alien. C'est ça ? Ah. Très bien. Ah mince. Ah là, c'est pas bon, là. Elle va mourir alors. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire un truc? Cette fois-ci? Ah, là je crois qu'elle est en train de mourir. Je crois que c'est pile l'endroit, pile le moment où elle se fait défoncer. Ah bah voilà, très bien. Bah là elle a pris cher. Ah, échappez-vous! Allez vite! Oh là! Oh là! C'est le 14 juillet! Allez vite! C'est par là? C'est par là. Espérons qu'il n'y ait pas de facehugger encore. Oh, on prend. Ah, on en prend plein les yeux là. Là, c'est Michael Bay qui... C'est plus Ridley Scott, là. C'est un hommage à Michael Bay, là. Allez, vite, on se barre. On se barre. Ah, c'est par là, je pense. C'est par là. Allez, vite, 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 vite. Non, on prend cher, là. Allez. 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 C'est... Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Je ne contrôle plus rien. Ah, j'ai peut-être contrôlé quelque chose, là. Alors, du feu là. Pas du feu là, donc c'est par là. Oh là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est bien. On est bien. C'est par là. C'est par là, on est bien. Ok. Ok, ok. Oui, oui, tout pète. C'était quoi cette musique? Il y avait un alien ou quoi? Non? Non, très bien. C'est la musique qui s'excite. C'est un peu fort. C'est un peu fort. C'est bon là? On est à l'abri? Ah, c'est par là. Et là, vite, vite. Allez, on lance la. Ah, donc c'est une navette. Donc en fait, la navette s'est posée sur l'Anisidora, je sais plus comment on dit. Mais en fait, on était toujours attaché à la station Sébastopol, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Je pense que j'ai mal compris le truc d'avant. Ah, Ricardo! Ah, il est toujours là! Mais les aliens sont là de nouveau! Super! Génial. Ah bah oui. Ah oui, donc là on est reparti bien là. On est reparti bien bien là. Ah. Hello Sebastopol, can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side, took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrents out. Ah bah elle est sympa Verlaine. Alors, c'est quel... qu'est-ce que c'est que... Ok, très bien, on annule... Là, j'étais pas dedans, là. Là, j'ai pas vu du tout quel symbole je devais prendre. Alors, très bien, donc c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Et c'est celui-là, très bien. J'ai un peu bugué à celui d'avant. La première fois que je bug bien, là, sur un truc comme ça. Ok, donc là, maintenant, il y a les aliens qui sont toujours là. Donc on est bien, là. Là, on est bien rassuré, on va reprendre le lance-flamme. Malheureusement, j'ai presque plus de munitions, c'est fantastique. Allez, maintenant, on peut dessouder toutes les portes comme ça avec notre super soudeur ionique. Hop là. Ok. Je vais baisser un peu parce que c'est un peu fort quand même. Là, la sortie du vaisseau, c'était un tout petit peu ultra fort. Ah, on est retourné à Sixon. Ça me dit quelque chose ici. Ne dites pas qu'il faut... Ricardo, il est où? Ah, il faut retourner dans Sixon, vous êtes sérieux? Ah, il y a des droïdes partout, oui, c'est super. Alors, bon, on va prendre le fusil à pompe ou le fusil à coup. Ah, j'ai plus de munitions de fusil à coup, c'est fantastique. Oh. Oh la vache. Ah. Ah, donc c'est des humains. Ah oui, ils ont l'air un peu vénères, eux. Ah, donc lui, il est de dos. Je suis bien. Allez. Est-ce que je peux descendre là? Oui, je peux descendre là. Allez, on descend là. Alors, il faut aller où maintenant? Ah, cet endroit, j'ai l'impression de l'avoir parcouru beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois. Ok, on est bien.
On va essayer de pas trop attirer l'attention. Comment on peut ne pas attirer l'attention? J'ai deux munitions de taser. Ce qui techniquement est une bonne solution, je pense, pour m'en débarrasser de ces mecs là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? J'ai l'impression qu'il est foutu mon détecteur de mouvement. Ça doit certainement être à cause des aliens. Parce qu'il doit y en avoir masse. Attendez, je vais mettre un... Oh la vache, heureusement que j'ai pas tapé sur un mur. Sinon il m'aurait vu direct. Alors. Ah, il y en a un là. Est-ce qu'il y a un mec là? Est-ce qu'il y a un gars juste là? Normalement il y a un mec juste là, mais je le vois pas. Ah, il s'en va. Très bien. Oh, il m'a pas vu, fantastique. C'est génial, il m'a pas vu. On est bien. Allez, on avance. On est bien. Oh la vache, je sais pas comment j'ai fait pour passer, mais je suis passé. On est bien. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Bon, lui, c'est bon, il me voit pas. On est bien, là. Il y a personne devant, on dirait... Ah si, il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. C'est assez gênant. Parce que s'il vient vers moi, je suis foutu. Et s'il y a un mec qui arrive derrière moi, je suis aussi bien foutu, là. Ah, nice, il est parti. Allez, on se dépêche. Oui, oui, t'as entendu un bruit, mais c'est pas moi, t'inquiète. Je sais pas du tout par où il est passé, mais il est passé. Salut. Voilà, merci. C'est quoi ce cri? Ok, il faut que j'aille par ici, j'ai l'impression. C'est ça, c'est bien ça. Oh, c'est infiltré, épouse là, on est bien. On est bien. On va pouvoir sauvegarder, nickel. Ah là c'était flawless. Flawless, alors. Ok, ok. Je pense qu'on est sur la bonne voie, hein, j'espère. Parce que sinon je vais devoir me taper le chemin. Non, c'est bien, on est sur la très bonne voie, c'est parfait. C'est très sombre. C'est très sombre, j'ai déjà ouvert cette porte. Ok, c'est par là. Non, c'est pas par là, très bien, c'est par ici. C'est par ici. Je vois tellement rien. C'est infâme. Je vois que dalle. Ah, de la Camelot. Je peux... Hop, je vais stacker un petit peu mes éléments. Parce que c'est pas la fin du jeu. Contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas du tout la fin du jeu. Alors, on va reprendre notre lance-flamme, notre revolver. C'est par ici que je dois aller. Ricardo, a priori, est là. Ah, il est là, Ricardo. Nice. C'est marrant, il n'y avait pas de Camelot ici avant. Il y a des gens qui sont dépassés, ils ont... Ah oui, allez, dépose-moi une petite surprise. J'ai toujours pas de pile, c'est pénible. Qu'est-ce que ça m'a lâché? Rien du tout. Je crois que ça m'a rien donné, en fait. Super. Génial. Ah. Peut-être qu'on aura plus de chance dans cette machine à sous là. Ah, super. Des piles, s'il vous plaît. Des piles. Ah, c'est... Elle est vide, génial. Le truc le plus décevant du monde. Salut, Ricardo. Oui, 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 blablabla. C'est le personnage Black qui a survécu le plus longtemps dans un film Alien, je pense. C'est incroyable. C'est juste incroyable. D'habitude, il meurt très tôt dans les films. Mais là, c'est bien, ils ont fait des efforts. C'est cool. Alors, ah, super, on doit traverser toute cette zone. Et je suis sûr, il y a masse humain. Apparemment, il n'y a personne là. Porte fermée, génial. Voilà, on va voir l'alien là, non? Ou un truc comme ça. Ah, ah oui, l'ascenseur, très bien. On va sortir de l'ascenseur, on sait jamais. Je suis prêt, je vous attends. Je dois prendre cet ascenseur. Est-ce que je dois le prendre cet ascenseur au moins? C'est la question, parce que je sais même pas si je dois le prendre. Ouais, si, je dois aller là. Hein. Je vais me planquer derrière les caisses quand même, on sait jamais. Il y aura peut-être des gens. Non, il y a personne, très bien. Je suis un peu parano, vous le savez, vous avez l'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Petit chargement peut-être. Non, pas de chargement parce que la map est la même. Donc je ne pense pas.
Pour l'instant, les humains n'ont pas été un gros problème, hein, en fait. Juste au début du jeu, mais... Ah oui, je me souviens de ce passage. C'était au début de l'aventure, j'avais un peu galéré ici, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup trop. J'espère qu'on galérera moins. Surtout que j'avais pas tué les robots. Je crois que je les avais juste dodge. En même temps, j'avais aucun moyen de les tuer à l'époque. Maintenant, c'est plus la même. Ah super, il y a... pack de recharge. J'ai tout sauf des piles, hein, donc c'est super. Ah génial, il y a des gens. Et est-ce que je peux passer dans le sol? Je voudrais bien passer dans le sol. Ah, je peux là. Allez, laisse-moi passer dans le sol, nickel. Alors. Ah, on doit aller là-bas cette fois, d'accord. Donc rien à voir avec avant. Parce qu'avant, c'était pas, c'était dans ce sens-là qu'on devait aller. Donc, en effet, c'est vrai que ça paraissait étrange cette porte fermée la dernière fois. Mais là, ce n'est plus le cas. On va tranquillement... progresser. Est-ce qu'il y a du monde ici? Bon, il n'y a pas de mouvement, on dirait. Je vois personne, là. Ok, bah... Ok, bon, bah, continuez de faire vos trucs dans votre coin. Moi, je m'en vais. Salut. Hop. Allez, le soudeur ionique. J'aurais peut-être pas dû courir. Parce que s'ils m'ont entendu et qu'ils viennent voir, je suis un peu déçu. Allez, vite. Allez, hop. J'espère qu'ils n'ont pas entendu ça non plus. Je fais un peu beaucoup de bruit, là, mais bon. C'est... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'envoyer des émetteurs de son ou des trucs comme ça. C'est bon, il y a personne derrière moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle? Une salle de contrôle. Ah, je dois aller ici, peut-être? Ou je dois grimper? Ah, un mec mort, super. Bonjour, monsieur. Je peux pas vous loot. Je veux vous loot. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur que quelqu'un rentre. Eh, mais il y avait un bouton chercher. Ne mentez pas. J'ai vu un bouton chercher. Mais, je l'ai vu, là. Là, je l'ai vu. Eh, je le vois, là. Ah, voilà. C'est peut-être quelque chose d'autre que j'ai looté, mais en tout cas, je l'ai eu. Alors, on va grimper. Alors, il faut aller en bas ou en haut? D'accord, en bas, ça fait rien. J'aurais dû regarder avant, je pense. Mais bon. Ok, très bien, on s'est fait téléporter en haut. Ah, la vue est pas mal. L'espace! C'est beau. Alors, oh, nice lens flare, on se croirait dans Star Trek. Alors, par où on va, par où on va? Très bien, on prend le fusil à pompe. Oh, un mini-jeu à la con. Faire correspondre les données. Hein? Oui. Ah d'accord, super. C'est encore une fois une sorte de jeu de réflexe de balles. Ah, on doit faire tous les mini-jeux, super. Alors, qu'est-ce que c'est? Utiliser left stick pour contrôler l'alignement de l'amarrage. Ah. Et alors? Et alors, c'est bon, là? C'est bon? Ça a marché? Comment laisser le scan d'espace lointain? Ah, il faut que le cercle soit dedans, ça? What? Je comprends pas, en fait. Comment, quand est-ce que je dois appuyer? Je dois engager quand les deux sticks sont au même endroit? C'est ça? C'est bon? Là, ça doit être bon, là. Ouais, c'est bon, nickel. On s'envole? Est-ce qu'on déploie une tour de communication? Qu'est-ce qu'on fait, là? En tout cas, on monte. C'est assez stylé, quand même. Hein. Parce que là, c'est quoi l'objectif? Trouver un moyen de contacter le Torrens. Ah bah, c'est ça, alors. Trouver un moyen de contacter... Utiliser le système de pistage pour trouver le Torrens. Donc c'est ça, en fait. On déploie une antenne de communication... pour traquer le Torrens. Donc, où est le Torrens? C'est la question. Donc, on a un autre mini-jeu à faire, c'est ça? Ok. Ah, encore une fois, ça? Donc, maintenant, je sais comment ça marche. Oui. Là, je pense que je suis bon, là. Je dois pas être mal. C'est bon, là. Ah, on les a trouvés, tant... Super. Hein?
Centrer les coordonnées du Tourette manuellement. Oui, et donc, pour ce faire, comment fais-je? La porte, la grille est fermée. On peut redescendre, très bien. Ouais, c'est ça. On va aller dans l'espace? Ah, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais ça m'étonne aussi que les humains tout à l'heure ne se faisaient pas défoncer par les aliens. Ça me paraîtrait un peu logique, mais pas du tout, a priori. Ah, on doit traverser la zone. Oui, forcément. Génial. Génial. On doit aller où, du coup, là? Je vois pas trop. Ah, on peut utiliser la porte à gauche, cette fois. Je suis sûr que ça va être ça. Non, très bien. Ah, il peut la déverrouiller. Cool. Nice, très bien. Et là, maintenant, on peut sortir. Alors. Et comment j'utilise ça? Ah, comme ça, très bien. Hop. L'ascenseur le plus rapide du monde. Comme tout dans cette station. Tous les trucs motorisés vont à peu près à 2 à l'heure. C'est génial. Bon, je me sens rassuré, j'ai mon fusil à pompe. D'accord. Ah, on va sortir, nice. Il y a moyen que ce soit pas mal. Ok. Se changer, c'est parti. Allez, le changement en façon Arturo Brachetti. Ça va être là, je pense. Voilà. Ça y est, on s'est changé, on est tellement rapide. Parfait. On peut sauvegarder là, non? Ouais, on peut sauvegarder. Allez, on sauvegarde en combinaison de cosmonaute parce qu'on a la classe. Ouais, sauf comme un buff, la Manda. Allez, c'est bon. On sort par où, du coup? On sort par là. Je sais même pas par où on sort. Ah, par ici. C'est par là. Ah, je peux pas utiliser mon fusil à pompe, là. J'ai dû le laisser. Allez, une séquence dans l'espace. J'espère qu'on va contrôler notre personnage. Ce serait quand même pas mal. Parce que le jeu nous attise non-stop. Ah, la vache. Ah, c'est canon. Eh, mais si on se prend une météorite, on va prendre cher, là. Ou un dégât. Ouais, parce qu'il y a plein de débris, là. Normalement, on se fait déchiqueter. En toute logique, on se fait défoncer, là. Apparemment, non. Tout va bien pour le moment, même si, bon... Quand je vois les étincelles sur la passerelle, ça me rassure pas trop. Et là, on est censé s'en prendre des dégâts, parce que... Normalement, on entend tout ce qui nous touche, uniquement. Je crois que c'est ça, dans l'espace, la règle. Si vous êtes un cosmonaute, vous n'entendez que ce que vous touchez directement, en fait. Oh, j'ai eu une petite vibration, j'ai cru que c'était un truc, mais pas du tout. Ah ouais! Très bien, bon bah au revoir. Oh la vache. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, visuellement là. Évidemment on n'entend rien, ce qui est logique et réaliste. Alors on doit aller où? Ah du coup j'ai pas mon détecteur de mouvement, en même temps il va pas être super utile. Allez, on avance. Oh, on est tellement lent. Bon, en même temps, si on marche avec des chaussures magnétiques, enfin des semelles magnétiques, c'est sûr qu'on galère. Hein. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qui est prévue dans Star Citizen, hein, d'avoir des combinaisons avec des chaussures magnétiques qui nous permettent de marcher sur toutes les surfaces métalliques, en fait, et du coup de pouvoir marcher au plafond, au mur, quand on est en situation de gravité zéro. Il faut que j'aille à la biche maintenant. C'est là? C'est ici? C'est ici que je dois aller? Non, c'est en bas. Ouais, c'est en bas, on est d'accord. Attendez. Oui, c'est... Ah non, 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 c'était bien là. J'allais louper. Ok, d'accord. Ah, c'était pas clair, c'était pas vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça fait... Oui? Damn it. What? Ah, il faut aller par là. Donc, elle est verrouillée, forcément, pour nous simplifier la tâche. On se prend masse débris sur la tronche depuis tout à l'heure, mais ça ne nous dérange pas. Hein. D'ailleurs, il y a des débris qui viennent de nulle part. C'est pas très bien fait, mais bon. C'est pas grave. On n'est pas très loin d'un soleil, en plus, là. Hein. Normalement, on devrait brûler, en toute logique, non? Apparemment, non. J'ai pas de lumière sur ma combinaison, ce serait bien. Parce que là, je vois pas du tout où je vais, là.
Ah, bon bah c'est bon, j'ai trouvé. Alors. Et maintenant? C'est bon? Là, c'est le seul endroit où je suis safe contre les aliens, quand même. En toute logique. C'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Tout va bien? Ah, ça a l'air d'être bon. Je crois que je vais devoir retourner à la console d'en haut, non? Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je dois retourner au truc. Normal. Alors... Ce serait marrant quand même de voir un alien dehors. On a la musique d'Alien 1 qui revient là. Il va peut-être se passer un truc mal. On doit aller où hein? Ah, j'étais là tout à l'heure, ouais. C'est bien foutu. C'est par ici alors. Cette musique m'inquiète beaucoup. C'est pas là que je dois aller? Attendez. What? Entrer les coordonnées du torrent. Mais je l'ai retiré le verrou, non? Non? Ok, bon, c'est assez long la traversée, donc je me téléporte, à tout de suite. Tchoumch. Allez, hop, on s'est téléporté, magnifique. Donc c'est par où? C'est par là. Hop, encore des leviers à activer. Dans ce jeu, on passe plus de temps à activer des leviers qu'à fuir l'alien. Des fois, c'est un peu ça. Hein. C'est dommage, je pense que c'est le principal point négatif du jeu, à mon avis. Le nombre de leviers qu'on doit passer son temps à activer, c'est... Je suis conscient que ça fait partie de... Ça fait partie de l'ambiance, de l'univers, avec tout ce rétro sci-fi qui est constamment là. Mais, bon, c'est un peu pesant au bout d'un moment. Et il est beau le générateur. Alors, c'est bon? Maintenant on doit faire quoi? Est-ce qu'on doit retourner là-bas? A priori, oui. Donc on va se roter... Non, on va pas se téléporter, il va peut-être se passer quelque chose sur le chemin. C'est de la glace, a priori, ouais. Ok. On est bien, on est bien. Magnifique soleil. Heureusement que je respire pas comme ça pendant mes vidéos, hein, sinon ce serait un peu compliqué pour vous, je pense. Je fais tout le l'esprit comme ça. J'ai des problèmes d'asthme. Ok. Allez, on est parti. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est quoi les coordonnées alors? Je dois entendre un bruit? C'est ça? Je sais pas ce que je dois entendre là. Ah! Ah, ma manette a vibré ici. C'est peut-être ça. A priori, c'est pas ça, super. Ah, maintenant, on s'essuie d'au-dessus. Donc, en fait, il faut trouver la bonne. En passant doucement. Eh, mais ça, comment on fait quand on a un clavier? Parce que j'ai réussi à trouver parce que j'ai senti des vibrations dans ma manette, mais quand on a un clavier, ça doit être tellement galère. Bon, pour moi, tout... Ah, c'était là, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ma manette s'excite. Normalement, c'est là. Ah, c'est bon. Ok. Alors là, avec un clavier, faut m'expliquer. Si vous l'avez fait au clavier, dites-moi comment vous avez fait. Hein. Torrens, vous êtes où? Normalement, on devrait pas entendre l'antenne. Sauf si, oui, en même temps, on touche le sol qui est lié de manière inhérente au vaisseau. Donc, ouais. Et là, pfiouf ! Non, merde, on n'est pas dans Star Wars. Alors, on va où maintenant? Ma radio fait un bruit infâme. D'accord, donc il faut que je reste là. Très bien. Ah. C'est la merde! Allez, viens! On s'en fout, nous on est en combinaison, on vient. Ok. On le tient avec nos mains, au pire.
C'est comme ça, hein. Il faut qu'on retourne dans la station. Ah, génial. Faut qu'on retourne dans la station. Allez, on est parti. C'est long. C'est long de devoir retourner toujours au même endroit. C'est un peu pénible. On peut pas sauter, là, pour accélérer les choses. Allez. On est parti. Faut qu'on aille jusqu'à la porte là-bas. Et écoutez, je pense que je vais me téléporter si jamais il se passe rien sur le chemin. D'accord? S'il se passe un truc stylé, on va rester ensemble là. Mais je me téléporte à partir de maintenant si jamais il se passe rien. Très bien! Donc on s'est téléporté. Il y avait rien d'intéressant, désolé. Hop. Porte fermée. Je peux rien faire là. Ok, très bien, là je peux bouger. Bonjour. Alors. On va se changer. On va sauvegarder et on est reparti. 43 minutes. Je crois bien qu'on va sauvegarder ici en fait. Et qu'on va poser l'épisode ici. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je vais pas avoir beaucoup de temps pour upload cet épisode. Et il faut que je puisse l'upload à temps pour pas vous décevoir et pour pas que vous ayez un épisode qui arrive en retard. Parce que j'aime pas mettre mes épisodes en retard. Quand il y a un horaire, il faut s'y tenir, c'est important sur YouTube. Donc on va sauvegarder ici et on va se laisser ici. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va bien galérer. Parce qu'il faut se... Ah, il va falloir traverser toute cette zone. Retrouver... Ah, ça va être long. Donc en effet, on n'est pas du tout à la fin du jeu là. À mon avis, on a bien deux épisodes encore. Hein. Deux épisodes faciles. Enfin bon, vous me direz, hein, vous connaissez mieux le jeu que moi. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai... à peu près tout dit, me concernant, y a rien d'autre à dire, en même temps c'est un let's play, c'est pas une vidéo tuto, donc forcément y a rien d'autre à dire, c'est pas un vlog non plus, mais voilà, je pense que j'ai tout dit, laissez un j'aime, oui, sur la vidéo si vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, moi je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Je vous reverrai au prochain épisode d'Alien Isolation, sinon sur les autres vidéos Star Citizen, Heroes of the Storm ou autres que je peux faire sur la chaîne de temps en temps, et puis voilà. On se revoit la prochaine fois. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.